portons dans notre prière tous ceux qui n'ont pas pu venir. Heureux de célébrer en ce jour Sainte Anne, Mère de Marie, qu'elle nous conduise à Jésus. Brother, where is the carrot? Digemermat d'or tous, Aman, Isantes Anna, avec Bivagne, leur pardon de grâce. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Lesu Anamam Marie. Il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Heureux au table garde, heureux l'an, au discours aveugle grand. Namine domo nunce, nunci yao, akalo dutu lato lego. Il a prié au Seigneur de nous donner l'insigne grâce de nous rencontrer aujourd'hui, chers pèlerins, pour communier ensemble dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la fréquentation des sacrements, notamment l'Eucharistie et la réconciliation, puisque le grand pardon s'inscrit dans une démarche pénitentielle, dans la prière et l'action de grâce. Et comme il s'agit d'un pardon, nombre d'entre vous, chers pèlerins, ont sollicité la réconciliation avec le Seigneur et avec leurs frères et sœurs dans le sacrement de pénitence. Le grand pardon est un temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu. En vous voyant si nombreux, je pense à la parabole du semeur que nous avons entendue dans nos églises mercredi dernier. Je vous vois comme un champ immense sur lequel tombe en guise de semence la parole de Jésus et sa bénédiction par l'intercession de Sainte Anne. C'est lui, Jésus, le semeur dont la parole est inlassablement jetée comme semence et répandue avec largesse sur le champ que nous sommes, pour que sa vie y prenne racine et que nous devenions sa sainte moisson. L'Église a été de tous les temps objet de tribulations et de persécutions en raison de son essence, parfois à cause du péché de ses propres fils. Elle traverse aujourd'hui des temps très difficiles partout dans le monde, et particulièrement en Occident. La parole de Ben Sirac le Sage est un appel prophétique. Revenons au Seigneur, comme tant de pèlerins et de figures marquantes comme Pierre de Kériolet. Ne nous détournons plus du Seigneur. Marchons à la suite du Seigneur, faisons ce qui plaît au Seigneur. C'est dans la fidélité au Seigneur et à l'Alliance, c'est dans la pratique de la miséricorde et des œuvres de justice que nous subsisterons. Le salut est dans la conversion et dans la fidélité à l'espérance. Dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde d'aujourd'hui, le pape François fait un lien judicieux entre tout pèlerinage et l'appel à la sainteté. Parmi les moyens qu'il nous propose pour parvenir à la sainteté, il y a justement la fréquentation des sanctuaires à travers les pèlerinages. Certes, le sanctuaire, c'est la partie la plus sainte d'un édifice religieux. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en ce lieu de grand pardon dédié à Sainte Anne, le sanctuaire, c'est toute cette terre sacrée où nous nous sommes rendus en pèlerinage pour un motif particulier de piété. Pour nous, ce sanctuaire sous le patronage de Sainte Anne est un motif assez puissant et éloquent pour nous permettre de toucher la présence de Dieu à travers l'intercession de Sainte Anne, modèle de sainteté pour nos familles. Nous avons besoin de toucher le mystère de la présence de Dieu.
de le sentir présent, incorporé non seulement dans la vie de Sainte Anne, notre modèle de sainteté et des saints qui nous ont précédés, mais aussi dans toute cette chaîne ininterrompue de croyants qui se sont rendus en pèlerin dans ce sanctuaire dédié à Sainte Anne et qui nous accueille aujourd'hui. Ce sont tous ceux et celles qui ont fait une expérience de conversion en se rendant ici, dans ce lieu de pèlerinage. Le déplacement jusqu'en ce lieu, tout comme les processions, exprime notre désir de nous mettre en marche pour obtenir de Sainte Anne qu'elle intercède pour les pèlerins que nous sommes, en offrant nos fatigues du chemin, parfois parcourues à pied, comme une pérégrination vers le royaume des cieux, en reconnaissant notre état de pécheur pour obtenir le pardon. Au cœur de ce pèlerinage marial, nous avons apporté des intentions que nous déposons au pied de Sainte Anne afin qu'elle intercède pour nous. Au nombre de ces intentions, je voudrais mettre un accent particulier sur l'importance pour nous pèlerins de savoir lire et écouter la parole de Dieu. En effet, la tradition catholique aime représenter Sainte Anne faisant lire à son enfant la Sainte Écriture comme pour préparer le cœur de Marie à accueillir en elle la parole devenue chère, le Verbe de Dieu. Nous pouvons y voir pour nous aussi une pressante invitation à accueillir cette parole vivante, à nous en nourrir le plus fréquemment possible, à nous en imprégner pour en témoigner dans toutes les réalités de notre humanité. Je voudrais alors simplement rappeler un vœu cher au saint pape Jean-Paul II sur la lecture assidue de la parole de Dieu. Que la Sainte Bible continue d'être un trésor pour l'Église et pour tout chrétien, écrit-il. Nous trouverons dans l'étude attentive de la parole la nourriture et la force pour accomplir chaque jour notre mission. Prenons ce livre entre nos mains. Recevons-le de la part du Seigneur qui nous l'offre continuellement à travers son Église. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Anne, notre modèle de sainteté, d'aider nos familles humaines, nos communautés sacerdotales et religieuses à vivre une authentique écoute attentive et une mise en pratique de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Ô Sainte Anne, intercède pour nous, afin que nos familles, nos communautés sacerdotales, nos communautés religieuses, nos communautés chrétiennes soient de vrais lieux d'écoute de la parole de Dieu, de prière, d'éducation, de rencontre authentique et de pardon, de miséricorde, dans la mesure où, fondés sur la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir ensemble, prier ensemble, manger ensemble et nous pardonner mutuellement en Jésus-Christ notre Seigneur qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ich bin geimpft,
Wir wünschen mir Mut.